Salut, je m'appelle Chloé et je vous emmène découvrir mon métier de pharmacien industriel au sein d'un laboratoire pharmaceutique le temps d'une journée. Ma mission ? Je suis là pour assurer la sécurité des médicaments dont j'ai la charge et donc de protéger les patients. Ça s'appelle la pharmacovigilance. J'évalue et je surveille leurs rapports bénéfice-risque une fois qu'ils sont mis sur le marché et je surveille de près les effets indésirables qui peuvent survenir. J'organise ma journée selon les priorités. Par exemple là, un médecin me dit qu'un de ses patients a des douleurs au foie et voudrait savoir si ça peut venir du médicament. En tant qu'experte du médicament, je commence une enquête pour voir si cela peut être lié au produit concerné. J'appelle directement le médecin pour avoir plus d'informations sur le patient, le contexte, les autres traitements en cours. Je creuse le sujet en regardant les bases de données, les résultats d'essais cliniques et je partage les informations au médecin pour qu'il puisse accompagner son patient. Et maintenant, pause déjeuner avec les collègues. Direction la salle de réunion. On va évaluer les dernières données recueillies sur nos médicaments pour voir si des mesures doivent être mises en place. On en informe les médecins et pharmaciens pour qu'ils adaptent, au besoin, la prescription et la délivrance en pharmacie et apportent la bonne information à leurs patients. Tout cela en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM. Je pars demander conseil à Noira, ma collègue du réglementaire. Nous devons modifier la notice d'un médicament et je fais un point avec elle pour préparer notre réunion de demain. Fin de journée, je pars en prenant mon PC, car demain, je serai en télétravail. J'aime vraiment mon métier, parce que je me sens utile, et je travaille dans l'industrie tout en gardant le contact avec les médecins et les patients.